d'histoire économique, les économistes aujourd'hui qui sont revenus sur le taux de croissance de la première moitié du 19e siècle en Angleterre, par exemple, ont été étonnés de voir que les chiffres étaient très... ...inspiration à laquelle on ne peut pas, qu'on ne peut absolument pas ignorer aujourd'hui. Alors évidemment, le dire, c'est une histoire dont l'homme n'est plus acteur. La catastrophe va arriver. On a besoin en plus, dans nos démocraties modernes, c'est-à-dire d'une véritable participation. Peut-être la nostalgie, j'espère que ça n'est pas condamné, mais surtout le désir d'une médiation. Au discours qui les flatte, et donc qui vont croire les fake news, qui vont accepter les... Celle du monde et la jeunesse de France pour préserver le climat.